Bonjour tout le monde, Marie-Christine Bélanger pour Monde Marie-Belle. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai un invité très spécial avec moi aujourd'hui. Je vous présente Jean-Philippe, qui a le courage de prendre la parole aujourd'hui sur l'hypersensibilité. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, ça fait plaisir. Dis-moi, tu te considères comme une personne hypersensible? Oui, absolument. Fait que je l'ai pas toujours su, mais oui. Ok. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie, est-ce que tu te rappelles d'un moment ou un événement déclencheur ou tranquillement tu t'es rendu compte que tu étais... Ouais, je dirais que c'était plus progressif comme processus parce que dans un premier temps, tu sais, c'est sûr que je trouvais que j'étais différent par rapport au monde qui m'entourait, mais j'étais pas vraiment éduqué sur la condition ou j'étais pas vraiment conscient de c'était quoi cette sensibilité-là, puis qu'est-ce que ça voulait dire. Fait que j'ai pas toujours été au courant, mais progressivement, j'ai réalisé que c'était tout à fait normal, puis qu'il y avait plein de gens qui étaient comme ça, puis c'est ça. Fait que je l'ai accepté, puis je l'ai embrassé. C'est bon. En passant, 20% de la population est hypersensible, 50% hommes, 50% femmes. Donc, t'es pas le seul. Absolument. Toi, t'as été élevé, t'es né, t'as été élevé puis t'as grandi en Haïti, t'es arrivé ici en 2010. Oui. Est-ce que tu penses que ça a eu une influence sur ta perception de la sensibilité, même de l'hypersensibilité? Ben, c'est sûr que j'ai vraiment beaucoup plus appris sur la condition ici au Canada. Fait que c'est sûr que... là-dessus, je pourrais dire que oui. Fait que ça a comme un peu changé ma perception puis changé comment que je voyais cette condition-là. Donc, c'est sûr que mon expérience ici au Canada m'a permis vraiment de réaliser plein de choses puis d'apprendre plein de choses aussi sur la condition. Donc, c'est sûr que ça a beaucoup influencé et c'est ça. Puis nous voilà ici en train de parler de ça. Fait que ça aussi, c'est formidable. Est-ce que tu peux nous préciser de quelle façon pour toi ça se manifeste cette hypersensibilité-là? Parce qu'il y a différentes manifestations, ça peut être au niveau de sentir un peu plus les émotions, les énergies, d'être sensible à la lumière, au bruit. Chez toi, de quelle façon ça se manifeste principalement pour l'instant? Parce que des fois, c'est sûr que ça évolue dans le temps, mais pour l'instant. Ouais, fait que dans mon cas, moi, j'ai remarqué que ça se manifestait beaucoup plus au niveau des relations, fait que ce soit des relations amoureuses ou des relations amicales, interpersonnelles. Puis c'est vraiment dans ce domaine-là que je trouve que mon hypersensibilité elle ressort beaucoup plus. Je te dirais que dans d'autres aspects de la vie, je trouve que je pourrais être quand même plus normal, mais au niveau des relations, ben, ça se manifeste beaucoup dans la susceptibilité, l'interprétation, les insécurités, puis juste aussi comment je vis les moments, puis l'intensité que les choses peuvent prendre pour moi. Donc, tout ça, c'est des différents aspects où ce que je trouve que c'est beaucoup plus dans ces domaines-là que mon hypersensibilité elle, se manifeste. Donc, c'est sûr que, tu sais, ouais, fait que, tu sais, ça peut prendre vraiment différentes formes. Puis, je pense beaucoup à une relation en particulier où ce que, ben, la personne que je fréquentais, elle aussi, était hypersensible. Puis, elle s'était un petit peu plus renseignée par rapport à la condition, puis elle m'a fait passer le test, puis c'est comme elle qui m'a fait vraiment prendre conscience là-dessus. Ben, je savais aussi que quand même, t'entendais quand même le monde autour de toi te dire que « Ah, t'es trop sensible, ah, tu prends les choses trop au sérieux, tu prends les choses trop à cœur. » Fait que je savais que c'était quand même une particularité chez moi, mais comme vraiment, tu sais, Mais souvent, on pense que c'est un problème. Oui, dans le sens qu'on n'est pas assez fort, mais de prendre conscience que c'est vraiment une condition. Exactement. Que neurologiquement, on n'analyse pas les mêmes façons. On a des zones du cerveau qui sont plus stimulées selon certaines
situation. Tout à fait. Puis je pense que ça, c'est un aspect qui est très important dans la condition, vraiment de s'éduquer puis de comprendre que, justement, tu sais, il y a d'autres personnes qui sont comme nous, puis que justement, comme tu dis, c'est pas un problème. Puis c'est ça, même des fois, j'aime penser que comme c'est pas nous autres qui sommes hypersensibles, mais c'est peut-être le monde autour de nous qui est un petit peu trop insensible. Donc, je pense que c'est une belle perception, puis ça donne une différente vision des choses, où c'est, que, comme, c'est moins dans le négatif que comme « Ah, je suis pas normal » ou « Je suis pas censé être comme ça », mais plus dans l'acceptation, puis plus de comprendre que comme c'est une variété, t'sais? C'est comme, il y en a du monde, t'sais, on est chacun fait, il n'y a pas personne qui est fait pareil. Non, c'est ça. Puis, t'sais, il y a plus de monde qui sont plus sensibles, puis il y en a d'autres qui sont moins sensibles. Mais je dirais que tout dépendamment de comment que on apprend à gérer cette condition-là, ça peut être un cadeau. T'sais? Puis, parce que c'est sûr qu'il y a des downsides. Puis, c'est ça, qu'est-ce que tu dirais comme côté positif pour commencer de cette... Ben, les côtés positifs. Commençons par les positifs. Ouais. Mais il y a beaucoup de côtés positifs. Entre autres, je te dirais que une des plus belles choses, que je dirais une des plus beaux atouts de cette condition-là, c'est que on vit les choses de façon intense. T'sais? Puis, comment qu'on ressent les choses aussi, on les ressent puissance 1000. Fait que je te dirais que quand quelque chose y est bon, puis quand quelque chose nous fait du bien, ben on se sent vraiment plané, tu sais. Fait qu'on a vraiment le sentiment. Puis tu sais quoi, comme... Tu sais, bon, comme je t'ai dit tantôt, c'est beaucoup plus au niveau des relations. Fait que moi, je te dirais que comme... J'estime vraiment que c'est un privilège. Mettons par exemple, si je fréquente quelqu'un, mettons plus du côté amoureux, tu sais, de connaître vraiment... C'est comme quand on décrit l'amour, là, puis qu'on dit que c'est tellement merveilleux, puis que comme tous les auteurs, ils écrivent des belles paroles dans les musiques, ils font des belles illustrations, comment l'amour, c'est un sentiment qui fait vibrer, qui fait rêver, qui fait planer. Fait que, tu sais, je pense que, de qu'est-ce que j'observe, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent cet amour-là, comment il est décrit, ou comment que... en fait, de connaissance générale, qu'on parle beaucoup de cet amour-là, de ce sentiment-là, de cette façon-là. Qu'il ressent vraiment, là. Ouais. Dire, ah oui. Exactement, exactement. Puis, tu sais, c'est quand même une expérience qui est assez spéciale, parce que je te dirais que, comme, on entend souvent le monde dire des choses, puis on entend souvent des illustrations, puis, tu sais, c'est plaisant, c'est des mots qui sont bien pensé, puis c'est des belles illustrations en général, mais comme justement la personne qui a écrit ces choses-là, c'est pas nécessairement des personnes qui ont tellement un talent d'écriture ou tellement un talent, une imagination. C'est vraiment des choses, des vécus qui leur ont inspiré. C'est vraiment des choses qui ont été écrites sur inspiration, en tout cas j'espère, là. Ouais. Mais c'est vraiment des inspirations puis des vécus qui sortent à travers ce canal-là, puis qui sortent à travers la musique et la poésie. Fait que quand tu peux vivre des choses que tu sens le besoin de les exprimer de cette façon-là, c'est parce que vraiment tu sens quelque chose qui est vraiment intense. Tu comprends? Comme de nos jours, c'est à peine si le monde ils disent je t'aime. Ouais. Tu sais, aller voir pour l'affection plus les caresses, les toucher, puis tout ça, tu sais, comme. On pourrait en discuter longtemps, là, comme des choses, des démonstrations d'amour ça, qui se perdent au fil du temps. Ouais. Fait même l'amitié, tu sais, c'est sûr. Exactement, le monde ne se fait pas des câlins, tu sais, comme... Je pense que comme hypersensible, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Absolument. C'est sûr que c'est un côté positif quand tu t'entoures de gens qui sont plus hypersensibles, au moins ce naturel-là peut être exprimé, j'ai l'impression, tu sais, de dire d'affection, de démonstration. Absolument. Puis ça me ramène un petit peu à ce qu'on a parlé tantôt, venir au Canada, mon expérience, tout ça. Je remarque que, tu sais, no offense, là, comme, mais le monde ici, la culture en général, c'est une culture plus froide, plus distante, tu comprends? Oui. Peut-être que toi, tu pourrais le confirmer, mais le monde, les amis, entre amis, on se fait pas de câlins. Oui. Entre amis, il n'y a pas de trop de, toucher, de proximité. Oui. En même temps, tu sais, quand même, c'est au Canada aussi que j'ai eu une relation amicale avec un gars
Mais c'était, il était plus jeune, là. Mais c'était la première fois pour moi qu'un ami me disait je t'aime. Ah, cool. Puis, tu sais, mais lui, il n'est pas canadien, là. Mais, okay, mais quand même, c'est au Canada que je l'ai rencontré. Ouais. Fait que c'est des expériences variées à, ouais, dans les deux extrêmes. Ouais. Mais je te dirais aussi que culturellement, en général, on n'a pas cette culture de proximité, puis de rapprochement, puis de... Tu sais, on est plus dans le... Dans les limites, la distance, puis, tu sais... Non, c'est comme... Donnons-nous comme mission, en tant qu'hypersensible, de remettre les pendules à l'heure et de permettre le ben « je t'aime » avec nos amis, ben oui, puis de, ben oui, les démonstrations physiques. Ben ça même, serait... même avec des partenaires, ben, des amis du même sexe aussi, parce que ça aussi, il y a un tabou ici. Ouais. Tout à fait. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, en tant que personne hypersensible, ben c'est ça, tu vas vivre ces sentiments-là de façon plus intense. Puis, tu sais, ça peut faire toute une différence. Tu sais, comme quand tu reçois un câlin ressenti, là. Puis je voyais, l'autre jour, je voyais passer sur Facebook un post qui disait que si un câlin, il durait genre en moyenne, quand ça dure à peu près 20 secondes, ouais, genre, comme il y a tout un effet. Tu sais, fait que... Le cytocine, ouais, c'est tellement des choses qu'on passe à côté, malheureusement, mais, ouais, mais tu sais, en tant que personne hypersensible, ben justement, on est plus sensible à ces choses-là, puis tu sais, c'est comme si on avait plus de choses qui pourraient nous... qui pouvaient nous contribuer à notre bonheur et à notre bien-être. Nous émouvoir, oui. Fait que on est plus vulnérable. Ben, ouais, alors faut rentrer dans, ouais, rentrons dans les côtés négatifs, c'est pas même, ou ouais, si tu fais le tour du positif. Ouais, fait que le positif, c'est ça. Négatif, les défis, je dirais, parce que j'aime pas dire négatif. Ouais, c'est ouais, peut-être des défis. Ouais, je pense que c'est une belle approche. Les défis, ben c'est ça, tu sais, c'est la vulnérabilité, puis... T'sais, on vit dans un monde où que, justement, il y a plus d'insensibilité. Fait que c'est sûr que comme tu rencontres pas en majorité des hypersensibles puis des personnes qui font attention. Fait que t'sais, puis aussi la différence culturelle, le clash culturel aussi, ben t'sais, bon après ça, c'est toi qui choisis avec qui tu tiens, là, mais c'est ça, tu sais, comme... Un autre côté de défi pour toi, tu parles de vulnérabilité, est-ce qu'il y en a, ouais, un autre ou... Ben il y a la vulnérabilité, puis ben tu sais, il y a les stéréotypes de la société, tu sais, ouais, comme en tant que garçon, ben, ouais, tu sais, pour les filles peut-être c'est différent, mais je suis sûr que t'sais. Non, mais pour les hommes, oui, c'est vraiment un gros défi, ouais, ouais. Fait que puis tu sais, je dis ça puis je pense à plein de choses, puis je me souviens que j'avais été voir un professionnel. Puis, à un moment donné, genre, il voulait me référer à quelqu'un d'autre, tu sais, parce que lui, il faisait juste une évaluation pour moi, puis il voulait me référer à quelqu'un. Un collègue, ok. Puis, après son évaluation, il m'a dit, tu sais quoi, je pense que ça serait mieux que je te mette avec un gars, puis peut-être pas un gars canadien, parce que si je te mets avec une fille canadienne, québécoise, là, peut-être que, tu sais, ça serait une approche trop... tu sais, je sens que t'es plus quelqu'un qui est sensible puis qui est plus proche de ses sentiments. Fait que peut-être que c'est pas la meilleure approche pour toi. Puis, tu sais, vous allez pas trop bien vous... Tu sais, puis, tu sais... Il voulait pas que tu sois trop près de ses sentiments? Non, c'est pas ça. Il voulait pas me mettre avec un professionnel qui est comme plus froid puis plus distant. Dans sa tête ou exactement. En fait, tu sais, comme si moi je parle puis je suis abondant puis je parle de sentiments puis je parle que des petites niaiseries qui viennent me chercher, ben tu sais, si ton professionnel il comprend pas puis ça la rejoint pas, il dit ben là pourquoi que il me semble que ça devrait pas te comprendre. Ouais, fait que tu sais, pour que ça puisse être optimal puis qu'on se rejoigne beaucoup plus puis que pour faciliter les thérapies, fait qu'il m'avait dit je pense que ce serait un gars pour moi en premier, mais en plus de ça, il faudrait que comme... Fait que ça revient encore à la culture de, ouais, du détachement, puis de... Mais aussi, genre, comme quand on parlait des stéréotypes dans la société, c'est, ben, tu sais, le monde, ton entourage, tes amis, ta famille, ben, ils trouvent que, ben, tu sais, déjà, un gars, ça doit pas pleurer, fait qu'en plus, je comprends pas pourquoi tu pleures. Tu sais, au moins, s'il y avait quelqu'un qui venait de mourir, peut-être, mais, tu sais, même là, tu sais, on s'attend pas vraiment que tu montres trop d'émotions. Fait que c'est toujours, un défi, tu sais, de sentir que, comme, on n'est pas comme les autres, ben, pourquoi je suis comme ça, tu sais, puis...
c'est toujours peut-être aussi de se faire accepter ou t'sais, les plus populaires à l'école, c'était toujours ceux qui avaient toutes sortes de t'sais, de pirouettes à... ouais. T'sais, fait que t'sais, toi t'es là avec une fille, tu lui écris des poèmes, t'es comme tout emballé, hey, t'sais, comme toi t'es un petit lover boy, you know, t'sais, toi t'es Même à un moment donné, je fréquentais une fille, puis elle me disait, elle racontait avec toute la fierté du monde, moi je suis quelqu'un de plus terre à terre. Mais JP, lui, il est comme sur un petit nuage, tu sais, il est comme. Bienvenue dans le nuage des hypersensibles. Ouais, c'est ça. En fait, on vole encore plus haut, parce que je vous raconte pas. Mais tu sais, comme, elle était pas méchante, là, tu sais, comme, au final, comme, elle était très. C'était quelqu'un de magnifique, mais. C'est juste, c'est juste que le monde, ils sont toujours plus surpris de voir qu'un gars, il peut être aussi proche de ses sentiments, puis aussi sensible, puis au plus... Fait donc, c'est ça, le stéréotype de la société en général, qui s'attendent pas justement qu'on soit comme ça. Ça fait aussi que plusieurs personnes qui sont hypersensibles, ben, tu sais, ils se cachent derrière un masque, ou ils veulent pas se l'avouer, ou ils s'aiment pas, ils s'acceptent pas comme ça, donc... Justement, est-ce que tu aurais un message ou, je sais pas, quelque chose que tu aimerais partager à ceux ou celles qui n'osent pas vraiment s'assumer dans cette condition-là ou plus, quelque chose que tu aimerais que les gens comprennent pour nous accepter plus facilement? Moi je pense que c'est très important, la première étape, puis tu sais, c'est vraiment la première chose qui me vient en tête, c'est vraiment de se renseigner. Puis, de vraiment s'éduquer puis se renseigner sur la condition. Parce que, tu sais, c'est vraiment là qu'on va réaliser que c'est correct puis qu'il y en a d'autres personnes qui sont comme ça. Puis aussi, genre, ben, accepter que, comme, tu sais, mettons que nous, mettons, on fait partie de cette catégorie-là ou vraiment dire aussi. D'accepter que cette condition-là, comme, on l'est puis on l'assume, ben, ça va permettre aussi que déjà que comme on prenne des précautions puis des mesures adéquates pour justement gérer cette condition-là puis se protéger. Parce que c'est très important aussi. Est-ce que tu en as, toi, des stratégies pour protéger ou... Ben, c'est sûr. On a parlé tantôt de vulnérabilité. Mm-hmm. C'est sûr que, être tout le temps vulnérable, dans les conditions idéales, c'est cool, c'est chill, c'est nice, c'est beau, ça fait planer. Mais c'est sûr que, tu sais, on n'a pas le choix, genre, de se protéger parce que être tout le temps vulnérable, on est plus ouvert à la détresse, à la tristesse, tu sais, à toutes sortes de conséquences négatives que ça qui pourrait venir avec cette vulnérabilité là. Donc c'est vraiment d'évaluer puis d'analyser puis de faire attention aux détails qui pourraient vraiment signifier quelque chose, tu sais. Ouais, t'es puis, beaucoup dans ton intuition, petites filles ou petites antennes. Exactement. Je pense que t'es très bon d'ailleurs pour lire le ce qu'il y a derrière le masque. Ouais, tout à fait. J'essaye fort là, fait que tu sens l'énergie des autres aussi, puis tu sais comme les personnes qui sont bonnes, qui sont vraies, puis qui sont sans malice, tu sais, comme, tu le sens, tu le vois. Donc, c'est quelque chose de tout à fait normal, puis c'est sûr que le plus qu'on se renseigne aussi, bien, ça va nous faciliter à découvrir nos mécanismes de défense, puis nos mécanismes de protection. Et aussi, ça va nous permettre aussi de profiter de cette belle condition-là, parce que, après tout, c'est un cadeau de la vie. C'est ça, c'est tout à fait un cadeau. Puis tu sais, les côtés positifs sont tellement, tellement magnifiques puis tellement succulents. Donc c'est sûr que vous allez en profiter. Donc c'est sûr, c'est vraiment de démystifier la condition puis de comprendre aussi que c'est vraiment pas une faiblesse. Puis progressivement embrasser cette condition-là et les côtés positifs. Donc, on vous invite à me suivre finalement. Oui, tout à fait. Nous suivre, peut-être qu'on aura d'autres collaborations qui sait. C'est ça. Fait qu'en parlant de ça, c'est une excellente ressource. Fait que je sais que c'est un début pour ta Chanel. Donc c'est sûr que Marie va s'assurer de mettre
le plus de ressources à votre disposition. Puis c'est des ressources qui sont magnifiques. En tout cas, moi, elle m'a un peu parlé de son projet, puis je vous dis que c'est vraiment cool. Donc, plusieurs autres entrevues aussi avec des personnes hypersensibles à venir, ouais. Hommes, femmes. Mm. Ouais. Donc, fait, c'est sûr que ça va vous permettre aussi de vous retrouver et de réaliser que ben, qu'on n'est pas seul et que c'est pas anormal. Donc, ça fait que vraiment se renseigner puis vraiment être dans l'acceptation puis justement vraiment commencer à travailler avec le fait que ok, ben maintenant je sais que c'est ça puis je l'accepte puis je vais prendre les dispositions puis les mesures. Donc profitez. C'est bon ça. Profitez de la vie comme hypersensible pour profiter de la vie de toute façon. Mais je pense qu'on en profite encore plus selon moi. Je suis biaisée. Donc on attend vos commentaires. J'ai vraiment hâte de vous lire dans les commentaires. Je vais quand même vous mettre les liens pour les sites qui parlent des personnes hypersensibles parce qu'on parle de se renseigner. Donc, je vais vous mettre ces informations-là. Partagez la vidéo, partagez pour répandre la bonne nouvelle, comme je dis, pour que le plus de gens se reconnaissent puis puissent accepter aussi leurs conditions. Puis oui, c'est ça, partagez la vidéo. Puis nous, on vous retrouve, je vous retrouve bientôt pour ma part dans une prochaine vidéo. Merci pour d'avoir accepté mon invitation. Ça fait vraiment plaisir. Puis vraiment, c'est un excellent projet, c'est une belle initiative. Puis je suis vraiment contente d'avoir au moins fait partie, d'avoir pu contribuer à ça. Donc, oui, c'est l'homme derrière la caméra aussi. Ah! Merci. Donc, ouais. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye.